Bonjour mes chers élèves de 6e année de l'enseignement primaire. Alors aujourd'hui, on va continuer notre évaluation diagnostique. Cette fois, c'est la conjugaison. Prenez votre livre de 6e année, Mes apprentissages en français, et suivez avec moi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. اليوم سوف أقدم لكم تقويم تشخيصي بالنسبة لكافة التلاميذ مستوى السادس ابتدائي. إذا رجاء سأعود الكتاب المدرسي Mes apprentissages en français. Je vous propose, mes chers élèves, la partie de conjugaison comme test d'évaluation diagnostique. On a plusieurs tâches. Écoutez bien. Recopie en conjuguant les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif. Vous avez donc quatre exemples. La même chose pour deuxième tâche. Recopie en conjuguant les verbes entre parenthèses au passé composé cette fois. Troisième, c'est recopie en ne gardant que la forme convenable du verbe. Vous avez aussi trois exemples. Mais chaque exemple, il y a deux sortes. Vous choisissez la bonne réponse. 4. Recopie et conjugue les verbes suivant à l'impératif à la personne demandée. 5. Conjugue les verbes suivant au futur simple de l'indicatif. Marcher, punir, écrire, répondre. 6. Recopie et transforme les phrases à l'impératif de l'indicatif aux personnes demandées. 7. Recopie et réécrit et les phrases en les mettant au temps demandé. Alors maintenant, je vous propose les réponses. J'espère que vous avez bien travaillé sur ces trois activités. Recouper en conjuguer le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. On dit, et les théorismes voyagent en groupe. Les élèves finir leur travail avant l'heure. On dit, les élèves finissent le travail avant l'heure. Il se promenait dans le jardin public. On dit, il se promène. Il se promène dans le jardin public. Tu fais tes devoirs et tu sors. Tu fais tes devoirs et tu sors. Les touristes voyagent en groupe. Les élèves finissent leur travail avant l'heure. Ils se promènent dans le jardin public. Tu fais tes devoirs et tu sors. Recopier en conjuguant le verbe entre parenthèses au passé composé. On dit Salim et Karim ont rougi de honte. Rougir, c'est un verbe de deuxième groupe. Salim et Karim ont rougi de honte. Vous avez parlé de quel sujet? Tu as répondu à toutes les questions. Nous avons descendu en ville tôt le matin. Alors, Salim et Karim ont rougi de honte. Vous avez parlé de quel sujet? Tu as répondu à toutes les questions. Nous avons descendu en ville tôt le matin. Voici donc les quatre propositions. La troisième activité, recopier en ne gardant que la forme convenable du verbe. Recopie en ne gardant que la forme convenable du verbe. Couchons-nous, sortez ou sort dehors. On dit sortez dehors. Sortez dehors. Sortez avec vous êtes. C'est le verbe sortir. Couchons-nous tôt pour nous lever à 6 heures. C'est le verbe se coucher. Finis ton travail et sors. Voilà, deuxième partie de la correction. Recopie et conjugue les verbes suivants à l'impératif à la personne demandée. Chanter, deuxième personne du singulier, on dit chante. Chante. Blanchir, première personne du pluriel, on dit blanchissant. Blanchissant. Courir, deuxième personne du pluriel, on dit courir. Chante, blanchissant, courir. Conjugue les verbes suivants au futur simple de l'indicatif. Marche, punir, écrire, répondre. On choisit par exemple 2. Je marcherai.
ne marcheront et vous faites la suite. Je punirai. Nous punirons quoi? On dit nous punirons ici. Écrire, on dit j'écrirai, nous écrirons. Répondre, on dit je répondrai, nous répondrons. 6. Recopier et transforme les phrases à l'impératif de l'indicatif aux personnes demandées. Travailler toute la journée dans la forêt, on dit nous travaillons avec ONS. Nous travaillons toute la journée dans la forêt. Comprendre le sujet proposé par la maîtresse, vous compreniez. Normalement, on dit vous compreniez. Vous êtes. Je n'ai pas fait attention. Vont bâtir les murs de la commune, ils bâtissaient. Se trouver au milieu du chemin, je me trouvais. Bon. Travailler toute la journée dans la forêt, on dit nous travaillons. Toute la journée dans la forêt. Comprendre le sujet proposé par la maîtresse, on dit vous compreniez. Bâtir les murs de la commune, on dit ils bâtissaient. Se trouver au milieu du chemin, je me trouvais. Nous travaillons toute la journée dans la forêt. Ils bâtissaient les murs de la commune. Vous compreniez. Le sujet proposé par la maîtresse, je me trouvais au milieu du chemin. 7. Recopier et réécrire les phrases en les mettant au temps demandé. On dit Salim vient de finir son travail. Il sort de la classe. On dit il. Bon, nous cherchons le lieu du stade. On dit nous allons chercher le lieu du stade. Ils sortent de la classe, pas si simple. On dit ils viennent de sortir. Vous montez dans le train, futur proche. On dit vous allez monter dans le train. Elles chantent une belle chanson. On dit elles viennent de chanter. Elles viennent de chanter. Alors, Salim vient de finir son travail. Nous allons chercher le lieu du stade. Ils viennent de sortir de la classe. Vous allez monter dans le train. Elles viennent de chanter une belle chanson. Salim vient de finir son travail. Nous allons chercher le lieu du stade. Ils viennent de sortir de la classe. Vous allez monter dans le train. Elles viennent de chanter une belle chanson. Voilà, c'est tout pour le moment. À très bientôt, mes chers élèves. La prochaine fois, je vous propose un test d'évaluation d'orthographe. Voilà, deuxième partie de la correction. Recopie et conjugue les verbes suivants à l'impératif à la personne demandée. Chanter, deuxième personne du singulier, on dit chante. Chante. Blanchir, première personne du pluriel, on dit blanchissant. Blanchissant. Courir, deuxième personne du pluriel, on dit courait. Chante, blanchissant, courait. Conjugue les verbes suivants au futur simple de l'indicatif. Marche, punir, écrire et répondre. On choisit par exemple deux. Je marcherai. Ils marcheront et vous faites la suite. Je punirai. Nous punirons quoi?
On dit une opinion ici. Écrire, on dit j'écrirai, nous écrirons. Répondre, on dit je répondrai, nous répondrons. 6. Recopier et transforme les phrases à l'impératif de l'indicatif aux personnes demandées. Travailler toute la journée dans la forêt, on dit nous travaillons avec ONS. Nous travaillons toute la journée dans la forêt. Comprendre le sujet proposé par la maîtresse, vous compreniez. Normalement, on dit vous compreniez. Vous êtes. Je n'ai pas fait attention. Vont bâtir les murs de la commune, ils bâtissaient. Se trouver au milieu du chemin, je me trouvais. Bon. Travailler toute la journée dans la forêt, on dit nous travaillons. Toute la journée dans la forêt. Comprendre le sujet proposé par la maîtresse, on dit vous compreniez. Bâtir les murs de la commune, on dit ils bâtissaient. Se trouver au milieu du chemin, je me trouvais. Nous travaillons toute la journée dans la forêt. Ils bâtissaient les murs de la commune. Vous compreniez. Le sujet proposé par la maîtresse, je me trouvais au milieu du chemin. 7. Recopier et réécrire les phrases en les mettant au temps demandé. On dit Salim vient de finir son travail. Il sort de la classe. On dit il. Bon, nous cherchons le lieu du stade. On dit nous allons chercher le lieu du stade. Ils sortent de la classe, pas si simple. On dit ils viennent de sortir. Vous montez dans le train, futur proche. On dit vous allez monter dans le train. Elles chantent une belle chanson. On dit elles viennent de chanter. Elles viennent de chanter. Alors, Salim vient de finir son travail. Nous allons chercher le lieu du stade. Ils viennent de sortir de la classe. Vous allez monter dans le train. Elles viennent de chanter une belle chanson. Salim vient de finir son travail. Nous allons chercher le lieu du stade. Ils viennent de sortir de la classe. Vous allez monter dans le train. Elles viennent de chanter une belle chanson. Voilà, c'est tout pour le moment. À très bientôt, mes chers élèves. La prochaine fois, je vous propose un test d'évaluation d'orthographe.